بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى سنبي صلى الله عليه وسلم بجنو كي الله فين جيه عن حديث قدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Mufin partage salat entre moi avec mon esclave en deux. Ici, salat, c'est surat al-Fatiha. C'est un autre nom de surat al-Fatiha. Qui veut dire Allah subhanahu wa ta'ala fin partage surat al-Fatiha entre lui avec son esclave. Qui veut dire partager entre lui avec son esclave, qui veut dire ça, surat al-Fatiha, il y en a deux parties. Une partie qui est spécifique pour Allah et une partie qui il y a une demande de la part de sa créature. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut dire wa idha qala alhamdulillah, quand un monde dans salat il peut dire alhamdulillahi rabbil alamin, louange à Allah Seigneur du monde. Allah subhanahu wa ta'ala lui répond oui, dans salat Allah répond non. Allah converse avec un monde pendant salat et na parole et réponse dans salat. C'est un privilège qu'Allah fin donne le musulman, qu'Allah cause avec lui dans salat. Alors quand Allah subhanahu wa ta'ala, son esclave, quand le musalli dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur des mondes, Allah dit Hamadani Abdi, mon esclave, fin, fais mon louange. Wa idha qala Ar-Rahman Ar-Rahim, quand l'esclave là dit Ar-Rahman Ar-Rahim, il dit Allah le tout miséricordieux. Et le tout miséricordieux veut dire ici Ar-Rahman, le très miséricordieux et le tout miséricordieux. Allah lit clément, les gentils, les généreux, les compassionnels avec toutes ces créatures, mais aussi spécifiquement avec Bandi Munkina Iman dans le delà. Allah subhanahu wa ta'ala lui répond, il dit Athna alayya abdi. Mot esclave, fin flatte-moi. Wa idha qala malik yawmiddin. Quand esclave là dit malik yawmiddin, propriétaire du jour de la rétribution. Malik veut dire propriétaire. Et parfois, Rasulullah s'assam tipe li ali malik. Malik yawmiddin, le roi du jour de la rétribution. Alors quand Moussalillah li dit ça dans salat, Allah subhanahu wa ta'ala dit majjadani abdi. Mon esclave fin proclame mon grandeur. Mon esclave fin proclame mon grandeur. Wa idha qal, et quand le musallil dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi Allah, c'est toi qui nous adorer. Wa iyyaka nasta'in, et c'est toi qui avec toi qui nous cherche aide. C'est toi qui nous adorer. Qui veut dire nous ibadat nous faisons pour toi. Nous salat nous faisons pour toi. Dora nous demande ça avec toi. Nous donne zakat pour faire ta plaisir. Nous garde rosa pour faire ta plaisir. Nous fait hajj pour faire ta plaisir. Tout bonne bon action qui te content, qui nous enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous fait ça juste pour toi, ya Allah. C'est ça qu'appelle ribadat. Ribadat n'est pas juste namaz. Ribadat, c'est tout bonne bon action qui Allah content, qui fait nous enseigner par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui fait mentionner dans le Coran. Alors ça, c'est ribadat. Alors, oh Allah, tout ça ribadat là, m'offert pour toi ça. Wa iyyaka nasta'in, et avec toi qui me cherche aide. Comme si Allah peut rappeler nous tout ça qui nous peut faire salat, rosa, nous peut donner zakat, nous peut faire hajj, nous peut faire le bien, nous peut lire la wa tul Quran, nous peut faire tasbih, nous peut faire qiyam al-layl. Derrière là, il y a Allah sous aide. Allah peut donner un petit aide pour lève nous, pour faciliter nous, pour faciliter nos chemins, pour nous faire sa bonne bon action. Alors comment dire, nous peut dire, nous peut rappeler nous, mais nous disons Allah sur aide.
Mais nous cherchons aide seulement avec Allah. Juste avec Allah, nous cherchons aide. Et dans une situation qui dit, nous sommes capables d'aider nous. Si Allah permet. Mais dans une situation, personne n'est pas capable de nous accepter Allah. Par exemple, moi, au milieu de la mer, je n'ai personne. Moi, j'ai un petit navire, un petit pirogue. Moi, j'ai la pêche, moi, tout seul, au milieu de la mer, puis démonter. Qui c'est pour crier là? Moi, je n'ai ni pour mobile, moi, ni pour rien. Qui m'a pour crier? C'est un seul qui m'a capable de crier. C'est Allah. Qui s'en est capable d'aider moi dans sa lèvre? Qui s'en est capable à mon secours dans sa lèvre? C'est Allah. Ça veut dire, d'abord, quelque chose qui personne n'est pas capable d'aider moi, c'est toi, Allah. Avec toi qui m'en cherche aide. Allah subhanahu wa ta'ala qui lui répond. Allah répond, Hada baini wa baina abdi. Ça, c'est une relation entre moi avec mon esclave. Ça veut dire, ibadat. C'est une relation entre Allah avec son esclave. Puis il y a un troisième qui rentre là-dedans. Puis il y a un intermédiaire entre Allah avec son esclave. C'est une relation directe. Hada baini wa baina abdi. Ça lie entre moi avec mon esclave. Wa idha qala ihdina as-sirat al-mustaqim. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Ghayr al-maghdubi alayhim. Wala ad-dallin. Quand mon esclave lui dit, ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous dans le droit chemin. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Le chemin qui te fait faire favier aux autres. Ghayr al-maghdubi alayhim. Et non pas le chemin qui te colle aux autres. Wala ad-dallin. Et ni le chemin du ban égaré. Donc, le Moussalli, sa deuxième partie là, c'est demande du Moussalli. Et puis demande Allah Hidayat. Guide-nous dans le droit chemin. Dans le droit chemin, vers le droit chemin. Ici, c'est dans le droit chemin. Parce que le musulman, il est déjà dans le droit chemin. Mais guide-nous dans le droit chemin veut dire, fais-nous, perfectionne-nous dans le droit chemin. Fais-nous une plus meilleure. Dans le droit chemin. Le droit chemin, c'est quoi? C'est le chemin, Coran et l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pena le droit chemin. Droit chemin, c'est ça qui l'enseignement Coran et l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les autres, l'enseignement, c'est pas droit chemin, ça. Un islam qui base le Coran et le sunnah, c'est ça le droit chemin. Un islam qui base l'esprit, base l'expérience du monde, base bonnes histoires, veut dire fantaisie, bonnes histoires qui pas fondées, ça, c'est pas le droit chemin. Le droit chemin, c'est Coran et Sunna authentique de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Surat al-ladhina an'amta alayhim. Le chemin qui te fait faire favier aux autres. Qui s'en a, ça va dire qu'il fait faire favier aux autres. Dans Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, min al-nabiyyin, ban prophète, wa siddiqin, ban ki véridique, wa shuhada, et ban ki shahid, sincèrement dans le chemin d'Allah, because concernant ban sahaba, wa salihin, et ban dimun pieux. Ban sahaba parmi ban shahid, ban shahaba, ban dimun pieux parmi ban sahaba, et aussi ban prophète, et ban véridique. C'est ça le droit chemin. Alors nous pouvons demander à Allah pour guider nous vers le chemin de ban prophète, le chemin de ban sahaba. Ghayr al-maghdubi alayhim. Pas guide nous dans le chemin qui te colle fin descendre aux autres. Dans un hadith qui est rapporté par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Tirmidhi, al-maghdubu alayhim al-yahoud. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui Allah se colle à l'oli, c'est ban juif. En fait, ban juif et ban chrétien, Allah colle Allah aux autres. Parce qu'ils ont fini dévier du droit chemin. Ils ont fini faire idolâtrie avec Allah. Ils ont fini faire cause ban fausseté de Allah. Mais seulement, ici, il finit spécifier coller à ban juif, parce que ban juif, Zutfin rejette l'islam par l'arrogance. Zutfin rejette l'islam alors de tikon la vérité. Zutfin fait un affront avec Allah. C'est pour ça qu'Allah fin spécifie la colère à ban juif. Wala dallin. Rasulullah sallam dit c'est ban égaré, c'est ban chrétien. Qui fait? Parce que zut légalement, n'est pas par l'arrogance, par l'ignorance. Zut fin les zut emportés par l'ignorance. C'est l'ignorance qui n'amène zut pour ado, Isa alayhi salam, Jésus. C'est l'ignorance qui n'amène zut pour faire ban errer dans din. Alors nous pouvons demander à Allah pour protéger nous contre ces deux chemins et ces deux mentalités. Qui Allah pas fait nous résister la vérité par l'arrogance, pour qu'il ne pas ressemble ban Yahoud. Et Allah, Ya Rab, pas laisse nous pratiquer l'islam par l'ignorance qui ne pas reflète ban chrétien.
Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, quand le musalli lui dit à sa doua, Allah qui dit, Allah répond, il dit, Hada li abdi, ça li pour mon esclave, wa li abdi ma sa'al, et pour mon esclave, li pour gagner ça qu'il vient demander. Voilà, une explication très brève de Sourate al-Fatiha, et nous disons, pour cela, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.